Yannick Nyonga, bonjour. Bonjour. Alors, dans le monde du rugby, votre nom parle forcément. D'abord, il y a ce gabarit de troisième ligne qui a fait mal à tant d'adversaires, mais aussi des titres, de nombreux trophées glanés durant votre carrière avec le Stade Toulousain, le Racing 92 ou encore des succès avec l'équipe de France. Une carrière au plus haut niveau qui a fini par faire de l'enfant de Kinshasa que vous êtes une figure marquante de l'Ovalie française. Yannick, bienvenue dans FASCAM. Merci. Alors, comme beaucoup d'enfants qui sont nés en République démocratique du Congo, pays de sport par excellence, vous avez très vite été bercé au sport. Est-ce que c'était quelque chose qui était ancré dans la cellule familiale ? Bien sûr, c'était vraiment quelque chose qui comptait beaucoup. J'ai l'impression d'avoir toujours connu en fait mon père en train de regarder le sport. C'était pas un grand sportif, mais c'était quelqu'un qui aimait beaucoup regarder le sport. Donc on voyait beaucoup de sport à la télé. Et moi, petit, j'étais quelqu'un qui avait un garçon qui avait déjà beaucoup d'énergie, donc je courais un peu partout. J'étais assez turbulent, comme on dit. Et surtout, c'est pour ça que j'ai fait du sport très tôt. J'ai commencé le rugby à 5 ans parce que des dires de mon père, il fallait vraiment trouver quelque chose pour me calmer parce que c'était devenu plus possible dans la maison. Je cassais beaucoup de choses, je courais beaucoup, je me faisais souvent mal. Et donc ils ont cherché un petit peu une activité pour moi, quoi. Ouais. Et généralement, quand on est jeune, les sports collectifs qui attirent, c'est le football. Voilà, c'était le sport qui m'attirait. Ouais. Moi, je voulais faire du foot. Je pensais que foot. Voilà, le rugby, je savais même pas ce que c'était. Sauf que dans la ville où j'ai grandi, à Agde, il fallait avoir 6 ans pour faire du foot. Donc c'était pas possible. On est allé voir là-bas. Il fallait avoir 6 ans, c'était pas possible. Donc après, mon père faisait construire une maison juste à côté d'un terrain de rugby. Et le mercredi, quand il allait voir des fois les travaux, le mercredi, il voyait qu'il y avait des enfants. Donc on est allé là-bas, on a demandé s'ils pouvaient me prendre. J'avais pas l'âge, mais comme c'était un petit club qui venait de se monter, ils ont dit, bon, on le prend, il fera pas les matchs la première année, il fera les entraînements, et puis après, l'année prochaine, si on veut continuer, il pourra faire les matchs. Donc moi, je suis parti là-bas avec l'optique de dire, bon, je fais un an le rugby, ouais. Et puis dès que j'ai 6 ans, je vais au foot. Du coup, c'était à 30 ans. Du coup, je suis jamais parti au foot. Ce qui a fait que je suis resté, je pense, c'est les amitiés que je me suis fait. Ouais. Tous mes amis que je me suis fait cette année-là où je suis parti sont toujours mes amis maintenant. Donc, y en a même un qui va manger chez moi là ce soir. Le rugby, c'est un sport qui est vraiment spécial. Pour moi, il y avait un slogan de la fédération de rugby qui disait « Le rugby, c'est l'école de la vie ». Et pour moi, c'est exactement ça. Ça veut dire que au rugby, seul, t'es rien du tout. Voilà. Il y a des très très bons joueurs. Il y a des joueurs qui font des différences exceptionnelles. Mais il n'y a pas un mec comme au basket ou comme au foot ou qui, lui, tout seul, peut changer une équipe. Parce que si, autour de lui, il n'a pas les joueurs qu'il faut, il ne peut pas... Il peut pas performer. Ouais. Donc du coup, la solidarité qu'il faut avoir pour réussir, elle est, je pense, pour moi, elle est beaucoup plus présente que dans tous les sports, ouais. De par le fait que c'est un sport de contact déjà. Mais moi, quand je suis arrivé au début, j'avais peur du ballon, je comprenais pas tout à fait les règles, passe en arrière. Quand je disais que je faisais du rugby, moi j'avais 5 ans, à 5 ans, il n'y a pas de poste. Ouais. Vous êtes 7 contre 7, il faut marquer derrière la ligne, point, et faire des passes en arrière, marquer derrière un point. On me parlait des fois de piliers, de talonneurs, de deuxième ligne, troisième ligne, je comprenais rien, demi d'ouverture, demi de mêlée, je comprenais rien tout ça. Mais les amitiés que j'ai fait, c'était quelque chose d'énorme. Ça veut dire qu'on arrive déjà, il y a une solidarité qui est énorme. On fait plein de jeux entre nous. À la fin des entraînements, on donnait le goûter. On partait pour les matchs en bus. On chantait à la fin, quand on avait gagné les matchs, on chantait pendant tout le retour. On chantait pendant 1 heure de bus, 2 heures de bus. On chantait, on buvait des bouteilles de coca, on rentrait à la maison. On avait des cadeaux quand on faisait des tournois, des petits cadeaux, des petits porte-clés. Il y avait un truc qui faisait que j'étais heureux là-bas. J'avais pas envie de partir. Donc, quand on a 5 ans, 6 ans, 7 ans, on aspire qu'à ça. Mmh. S'amuser, se faire des copains. Même si on me demandait c'est quoi ton sport préféré, je disais le foot, mais je restais au rugby. J'ai dû faire 3-4 ans comme ça. Et quand la compétition est vraiment venue, mmh. C'est là que j'ai commencé à vraiment me prendre pour ce sport-là. Quoi. Ouais. Donc, Et justement, du coup, à quel moment est-ce que les choses ont commencé à être plus sérieuses? Moi, je...
Alors, il y a dans ma tête et il y a pour de vrai. Ouais. Dans ma tête, je me souviens, c'est une histoire, je ne l'ai pas souvent racontée, mais ceux qui sont à Agde, ils la connaissent, mais je ne l'ai pas souvent racontée cette histoire. Dans ma tête, le jour où ça a commencé à être sérieux pour moi, le rugby, c'est un jour à un match, à un tournoi, il y a le grand-père d'un copain à moi qui est venu avec une parka de l'équipe de France. Des longues parkas de l'équipe de France. Ouais. Et souvent, c'était les sélectionneurs qui avaient envoyé à l'époque les sélectionneurs sur les entraînements et tout, avec des longues parkas qui descendent au niveau des tibias, à capuche et tout ça. Je crois que c'était des trucs Adidas avec l'équipe de France, tout ça. Et le monsieur vient, et moi, je me suis demandé, c'est qui ce monsieur ? Et mes potes, pour rigoler, ils disent, c'est le sélectionneur de l'équipe de France. Mais moi, je savais pas, je devais avoir, je sais pas, peut-être 7-8 ans. Moi, je les ai crus. Alors que c'était le grand-père de mon pote. Donc moi, j'ai dit, ouais, le sélectionneur d'équipe de France, il vient nous voir. Donc je me dis, je vais me, entre guillemets, me défoncer, quoi. Et j'ai commencé à me donner mais un truc de fou. Et après, à chaque fois, j'allais le voir, je lui disais bonjour. Et ils m'ont jamais dit, en fait, que c'était une blague. Ouais. Ils m'ont dit ça, mais je pense, des années. Donc moi, à chaque fois que je voyais ce mec-là, je pensais que c'était le sélectionneur de l'équipe de France qui était là. Donc ça, c'est un peu la première fois dans ma tête où je me suis dit, ouais, peut-être qu'il va mourir. Mais je me suis jamais dit, ouais, je vais en faire mon métier, je vais être professionnel. C'était juste que c'est des trucs qui m'ont donné la pêche, quoi. Ouais. La pêche pour y arriver, pour faire plus que juste jouer au rugby, quoi. Et aussi, bon, bien sûr, les amitiés, comme je disais, les entraîneurs que j'ai eus, les valeurs qui t'inculquent, le fait de se dépasser, d'y arriver. Moi, quand je jouais à Agde, c'est un petit club. Donc des fois on jouait les clubs de la région, c'était Béziers, Montpellier, Narbonne, Perpignan. Quand ça nous arrivait de jouer contre eux, bon, il y avait pas de match entre guillemets, mais on arrivait quand même si on perdait, à les titiller, à les... Et donc j'ai toujours eu cet esprit de compétition un peu, qui fait que vers quand j'ai arrivé vers une dizaine d'années, le club de la région c'était Béziers, qui a commencé vraiment à venir me chercher. Alors moi au début je comprenais pas l'intérêt de partir pour aller dans un club professionnel ou dans un club plus haut. Moi, le rugby, c'était une histoire de copains. Et donc, à chaque fois qu'ils venaient me chercher, je disais, ouais, on voudrait que tu viennes jouer à Béziers, tout ça. Moi, je disais, non, ça m'intéresse pas. Je restais avec mes copains. Et puis, vers 15 ans, 14-15 ans, quand je suis rentré au lycée, je suis allé en sport-études. Et là, je me suis rendu compte, en fait, que je jouais pas au meilleur niveau, en fait. Même si des fois, ça m'arrivait de jouer contre des grands clubs, mais je jouais pas au meilleur niveau. Il y avait tous les grands clubs qu'on voyait au niveau professionnel, ils jouaient entre eux. Et moi, des fois, on jouait contre les clubs de la région, mais c'était pas le plus haut niveau. Donc, quand il est revenu pour me demander si je voulais jouer avec eux, ben, j'ai dit, ben, bon, pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. Et puis, en discutant avec les dirigeants du club, et je me suis vraiment rendu compte, et ils m'ont fait comprendre aussi à Agde qu'aller à Béziers, c'était une très grosse opportunité. Il y a beaucoup de gens qui auraient voulu faire ça. Et donc je me suis dit, bon, ben, je vais essayer. Mmh. Comme en sport études, j'ai commencé aussi à connaître des joueurs qui étaient déjà là-bas à Béziers. Je me suis dit, je vais essayer et puis on va voir ce que ça va donner. Au final, vous êtes resté 3 ans à Béziers ? Ouais, je suis resté un peu plus même. Je suis resté 3 ans professionnel. Oui, c'est ça. Mais je suis resté 6 ans en tout. Ouais, 3 ans professionnel. 3 ans professionnel, 6 ans. Donc je suis allé là-bas, j'avais 15 ans. Tout a explosé. Ça veut dire que... je fais une saison qui se passe super bien, on finit champion de France à la fin de l'année. L'année d'après, je commence à être sélectionné pour les équipes de jeunes. L'année encore d'après, à 17 ans, je signe mon premier contrat pro. J'avais pas le droit de jouer en pro parce que j'avais pas 18 ans. À 18 ans, je joue mon premier match avec les pros. À 20 ans, je suis capitaine, je suis international en équipe de France. Donc après, tout est parti très 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 vite. Et après, forcément, quand on commence à faire du bon travail à Béziers, il y a Toulouse qui regarde. C'est ça, ouais. Donc ça fait... Mais ils m'ont suivi, je crois, dès que j'ai commencé à jouer en équipe première à Béziers. Ouais. Au bout de, je crois, le 4, allez, on va dire le 5e match, on joue contre Toulouse. Et donc moi, j'avais 18 ans, je joue à Béziers, on joue contre Toulouse, ça se passe bien. Je crois qu'on fait match nul même. Et donc, en fait, le recruteur du Stade Toulousain, il s'appelle Jean-Michel Rancoule à l'époque, commence à me voir à la fin du match, me dire qu'il est intéressé par mon profil, qu'il y avait un joueur qui s'appelait à l'époque Christian Labbé qui arrivait en fin de carrière, qu'il souhaitait que ce soit moi qui le remplace et que voilà qu'ils allaient me suivre pour voir mon évolution, qu'ils étaient contents que j'aille à Béziers parce qu'ils n'avaient pas besoin de me recruter tout de suite et qu'il fallait que je continue comme ça et que
que je fasse mes preuves et qu'ils espéraient un jour que je vienne là-bas. Donc pendant 2-3 ans, je jouais à Béziers, mais je commençais à avoir cette idée-là dans un coin de ma tête de partir à Toulouse. C'était le club qui me faisait rêver, moi, parce qu'à ce moment-là, moi, quand j'ai... c'était le club qui gagnait, 94, 95, 96, 97, champion de France. Et moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au rugby, c'était Toulouse qui gagnait, quoi. Et en plus de ça, il y avait plein de jeunes joueurs comme Fred Michalak, qui avait à peu près mon âge, qui avait un an de plus que moi. Je le voyais qui commençait à crever l'écran en équipe de France. J'avais envie de jouer avec lui, quoi. Donc voilà, c'est arrivé assez vite, en fait. Et justement, avec Toulouse, vous allez découvrir le très très haut niveau, des finales de championnat de France, donc de 2014, aussi la Coupe d'Europe. Vous avez commencé à remporter vos titres, les premiers titres. Parmi justement tous les trophées que vous allez gagner avec Toulouse, est-ce qu'il y en a un qui a une saveur particulière ? Avec Toulouse, je ne peux pas en tirer un, plus que les autres. Parce que c'est, je vais dire la période. La période 2010, 2011, 2012, où on est champion d'Europe, champion de France. Le premier aussi, il est spécial, parce que le premier en 2008, ça faisait 7 ans que Toulouse n'avait pas été champion de France. Alors qu'à Toulouse, c'était les titres, si c'était pas chaque année, c'était tous les 2 ans, 3 ans. Et là, il y a eu un break de 7 ans sans être champion. Donc, si quand même le premier titre de 2008, quand on rentre... la ville, c'était... Comme là, ils ont été champions de France. Voilà. C'est la même chose. C'est le feu qu'il y a eu... c'était un peu ça, quoi, parce que ça faisait 7 ans aussi, 2012-2019, et moi c'est 2001-2008, donc c'est le premier quand même, il était fort. Mais au-delà de ça, on avait une équipe qui était quand même assez un bon mix, voilà, un tiers de très jeunes formés au club, un tiers de joueurs qui sont arrivés comme moi vers les 21 ans, qui arrivent un peu de l'extérieur, mais qui arrivent assez jeunes pour complètement s'identifier à l'équipe et au club. Et après, un autre tiers de joueurs, j'appelle ça des stars un peu, qui arrivent ou de l'étranger ou qui sont des joueurs confirmés, les Fabien Pelous, les Trevor Brennan à l'époque, les Gareth Thomas, voilà. Donc c'était vraiment un bon mélange, un bon équilibre, quoi. Une équipe bien composée, bien équilibrée, qui fait qu'on était bon sur le terrain et surtout on vivait vraiment bien ensemble, quoi. On était toujours mis au vert, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, et il n'y a personne qui râlait après ça, quoi. On adorait se retrouver entre nous, on mangeait pratiquement tous les midis, on mangeait ensemble. Le soir après les matchs, il y avait des repas qui étaient prévus, on mangeait ensemble. Les veilles de match, on était ensemble, on vivait tout le temps ensemble, et c'était vraiment bien, quoi. C'est peut-être ça aussi la clé du succès sur le terrain. Moi, je pense que surtout dans les sports où il y a des phases finales. Moi, c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est que moi, je crois beaucoup à ça, au fait d'être champion sur un match et pas être champion sur la d'affilée. Parce que quand on est champion sur le comme ça peut être le championnat de France au foot, on est si on rate une fois, c'est pas grave, on a l'autre fois pour se rattraper, parce qu'il y a 36 journées au foot, 26 journées. Donc on peut rater une fois, on se rattrape. Donc ça donne un peu, comme j'ai dit, c'est un peu le jeu au poker sans argent, quoi. Le phase finale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce que tu as fait avant, ça te permet d'être là. Mais il faut être prêt à ce moment-là. Il n'y a pas de deuxième chance. Donc tu pendant 10 mois, tu fais des efforts surhumains pour pouvoir arriver là. Et en fait, c'est là que ça commence. Ouais. Et ça, je trouve que s'il y a un truc qui fait que, entre vous... Entre, il n'y a pas que ton organisation, il n'y a pas que tes entraînements, il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que la tactique, il y a surtout le mental. Le mental. Et moi, j'aime beaucoup ça. Alors, à côté de votre carrière en club, il y aura aussi l'équipe de France. Ouais. Grosse fierté de porter le maillot bleu, non ? Ouais, bien sûr. Grosse fierté, surtout que moi, je suis fier aussi de ma carrière, dans le sens où j'ai été très très tôt sélectionné en équipe de France, à 20 ans. J'ai connu beaucoup de belles choses très vite. Et après, il y a eu un changement de sélectionneur, et pendant 5 ans, ce sélectionneur m'a jamais pris, quoi. Est-ce que c'est pourquoi, Non, j'ai jamais su pourquoi. J'ai jamais su pourquoi. Mais je me dis qu'au fond de moi, bien, ça a été dur, hein, ça a été très très dur pendant cette période-là. Mais je me dis que j'aime bien ce que ça a fait de moi, en fait. J'aime bien ce que ça a fait de moi, parce que du coup, j'ai toujours refusé de me dire ouais, il m'aime pas, ou je sais pas, il a quelque chose contre moi. J'ai toujours essayé de me dire, je contrôle, lui je le contrôle pas, mais moi je me contrôle.
Donc, est-ce que tu as été 100% parfait pour qu'il puisse te sélectionner? Et à chaque fois que la réponse, elle était non, mais je me disais, concentre-toi sur toi, concentre-toi sur toi. Et je pense que ça m'a amené une très, très grosse rigueur. Et peut-être que grâce à ça, aujourd'hui, il n'y a jamais personne qui sera capable de me mettre plus de pression que moi, en fait. Et moi, je suis très, très difficile avec moi-même, dans mon exigence, parce que je sais que c'est la réussite, elle passe qu'à ce prix-là. Et donc, du coup, dans ma carrière, j'ai eu donc la période faste, le désert, on va dire. Et 5 ans après, quand le nouveau sélectionneur est arrivé, on va dire 6 mois après moins d'un an après, il m'a sélectionné pour l'équipe de France, et j'ai connu 21 sélections après, une autre Coupe du Monde. Et donc au final, c'est pas linéaire, j'ai pas 80 sélections comme pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont 80 sélections, mais on va dire que on aurait pu croire que j'étais parti pour en avoir beaucoup, et au final j'en ai eu, c'est très bien 46, hein, mais certaines personnes peuvent dire que j'aurais pu en avoir plus, mais moi je suis content et je suis fier de la manière dont je les ai eus, et je les échangerai pas, en fait. Alors, avec l'équipe de France, vous allez connaître 2 Coupes du Monde, 2007 et 2015. Ouais. 2007, en plus, c'était en France. En France. Ouais. Grand moment. Grand moment. Si je devais en choisir une, c'est 2007, même forcément. Si c'est la plus lointaine. Ouais. Mais elle était en France. On était 9 ans après France 98. Il n'y avait pas eu de gros événements en France après France 98. Donc du coup, nous on est les enfants de France 98. Mmh. France 98, moi j'avais 15 ans. C'est l'événement encore aujourd'hui. Si j'entends juste le mot 98, je pense à ça. La dernière fois, je voyais avec les jeunes, quand j'ai terminé ma carrière, quand je parlais France 98, France 98, pour nos générations qui sont nées dans les années 80, le début des années 80, tout le monde sait ce que c'est France 98. Il n'y a même pas besoin. Et quand je vois les jeunes, France 98, c'est quoi? Mais France 98, mais toi, tu sors d'où, ça? Donc c'est... jouer une Coupe du Monde en 2007, 9 ans après la Coupe du Monde, tu te dis, ouais, ça va être nous, cette fois-ci, ça va être nous, quoi. Alors malheureusement, on n'a pas eu la même issue que nos aînés du foot, mais on a vécu des grands moments quand même. Quand on a battu les All Blacks, les retours en France, voilà, c'était extraordinaire. Après, malheureusement, on n'a pas été capable de confirmer contre l'Angleterre et après pour le match de la troisième place, mais ça reste malgré tout un super souvenir. Voilà. Mmh. D'avoir vécu ça, de se dire que pendant un mois, tout le monde, cette semaine, tout le monde est derrière nous. En plus, on était basé à Paris. Quand il y avait des jours off, on allait manger au restaurant. Tu voyais des sportifs d'autres sports qui te croisent, qui te disent, voilà, qui te souhaitent bonne chance. Tu sens que tout un pays est derrière toi et tu le vis au quotidien, quoi. Donc c'était super. Est-ce que c'est vos meilleurs moments avec l'équipe de France? Nos meilleurs moments, pas forcément, non, parce que moi après j'aime pas trop isoler un moment, en fait. Il y a très peu de moments. À chaque fois qu'on me demande mes meilleurs moments, c'est... J'aime pas trop isoler. J'ai toujours été content quand j'y allais, parce que j'étais jeune, je jouais avec mes idoles. J'étais insouciant, en fait. Je me rendais même pas compte que c'était énorme ce que je faisais. Après, quand ça s'est arrêté, que j'ai pu l'équipe de France, j'ai regardé énormément de matchs à la télé avec mes potes, et j'y étais avant. J'ai dit, ah ouais, mais c'est ça. On se retrouve, ouais, qui c'est qui regarde? On regarde le match, on le regarde où? On regarde les trucs, les mecs, ça arrive avec le maillot, ça commande des pizzas, c'est bien, tout le monde autour de trucs, ça rassemble vraiment, en fait. Et je me disais, waouh, ah ouais, mais c'est comme ça, mais en fait, c'est trop bien. Ouais. Et j'avais envie d'y retourner, en fait, parce que je me rendais pas compte que je savais que je jouais pour moi, et mais pas que pour moi, pour mes proches, pour mes coéquipiers, mais jouer pour un pays, je me rendais pas compte, en fait. Je me rendais pas compte à quel point c'était, jusqu'à ce que je me retrouve de l'autre côté sur le canapé. Mmh. Et donc du coup, ça a été aussi un des trucs qui m'a fait dire il faut que j'y retourne. Mes potes qui me disaient, ah ouais, tu sais quoi, quand il était, c'était trop bien, c'était... Ah ouais, mais en fait, j'ai que 25 ans, j'ai que 24 ans, et il faut que j'y retourne, en fait. Mmh. Et c'était vraiment un moteur pour bosser, quoi. Alors, on va arriver en mai 2018, après la finale de Coupe d'Europe. Ouais. Vous décidez de mettre un terme à votre carrière. Ouais.
Alors, il n'y a pas grand monde qui l'a vu venir. Ouais. Pourquoi est-ce que vous raccrochez si tôt? Mais parce que il n'y a pas grand monde qui a vu venir, parce que j'avais gardé le secret un peu, mais moi dans ma tête, c'était quand même, ça faisait un moment que j'avais réfléchi à ça. Maintenant que c'est terminé, je peux raconter. En fait, à la fin de l'année précédente, le club vient me voir pour me dire que ça fait un petit moment qu'ils cherchent un directeur sportif. Et qu'ils avaient un peu cherché, un peu à droite à gauche, et puis à un moment donné, mon nom est venu sur la table, et ça, il avait l'air de faire l'unanimité. Quoi. Donc il me restait encore un an de joueur, mais qu'ils pensaient à moi comme directeur sportif, que si le poste m'intéressait, ils étaient prêts à attendre un an encore sans directeur sportif pour me le proposer l'année d'après, mais que si ça ne m'intéressait pas tout de suite, ce qu'ils comprendraient, ils proposeraient le poste à quelqu'un, avec le risque que ça le fasse, quoi, avec cette personne-là. Quoi. Donc au début, je me suis un peu vexé, parce que je me sentais bien, et voilà, je ne me voyais pas encore arrêter tout de suite. Mais je savais aussi que je me sentais aussi sur la pente descendante. Et moi, j'étais quand même quelqu'un qui aimait m'entraîner, et qui aimait, j'aime échanger, être bien dans un groupe, mais parce que dans l'exemple, que ce soit l'entraînement ou au match, je me donne toujours à fond. Et je sentais quand même que plus ça allait, et moins c'était possible de me donner tout le temps à fond. Quoi. Ouais. C'est-à-dire la récupération des matchs, elle était de plus en plus difficile. Donc j'arrivais encore, j'étais bon sur les matchs, mais la semaine c'était quand même plus compliqué. Donc j'ai commencé vraiment à réfléchir, à me poser la question, il te reste combien de rugby, quoi? Donc même si le match c'est bien, mais la semaine tu vois quand même que c'est difficile. Ouais. J'avais 33 ans quand ils m'ont proposé ça, donc l'année qui arrivait j'allais avoir 34 ans. Il allait me rester peut-être un an, deux ans. Et puis pour faire quoi après? Moi je me voyais pas en dehors du rugby, parce que c'est, comme j'ai dit, j'ai fait ça depuis que j'ai 5 ans. Moi depuis que j'ai 5 ans, les week-ends c'est rugby, quoi. C'est pas repos, partir, si, ou exceptionnellement ou ponctuellement, mais c'est le rugby. Donc le poste en lui-même, c'était un poste génial, parce que c'est, il y a joueur, et après tu te retrouves de l'autre côté, tu vois complètement la même chose, ta passion, mais d'un autre côté. Donc je me suis dit, non, à un moment donné, moi je crois, j'ai une certaine spiritualité, je crois en Dieu, et je me dis que les opportunités, quand elles se présentent aussi, il faut savoir y réfléchir, et elles ne se présentent pas pour rien. J'ai pas choisi d'être sportif professionnel. Un jour, on a estimé que j'étais assez bon pour pouvoir jouer chez les pros. Et je m'étais toujours dit que un jour, on estimera aussi que je suis plus assez bon. Donc il faudra pas que j'ai un ego surdimensionné en me disant il faudra déjà accepter ça. Donc j'étais quand même aussi un peu préparé à ça. Et si à un moment donné on se pose la question de toi, c'est qu'aussi, toi ce que tu sens, les gens ils le sentent aussi. Forcément. Alors certes ça se sent pas par le grand public, mais tes coachs qui te voient au quotidien et qui ils veulent pas ton mal, mais ils voient aussi que c'est plus pareil que quand t'as 20 ans, quand t'as 34 ans. Bien sûr. Donc voilà, j'ai réfléchi, j'ai changé avec mes proches, j'ai changé avec les coachs, j'ai changé avec le président, et puis voilà, j'ai estimé que c'était la bonne décision. Donc ce qui est bien aussi, c'est que j'ai pu préparer une saison en me disant c'est la dernière. Et ça, je pense que c'est un luxe. Bien sûr. Donc vraiment, je me suis préparé avec le plus grand des sérieux, la plus grande des motivations, et je suis quand même fier de ma dernière saison. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes ne comprenaient pas, parce qu'ils me disaient, mais regarde la saison que tu as fait, pourquoi tu continues pas une année de plus et tout, une fois que tu fermes le livre, il est fermé pour de bon, donc faut bien réfléchir. Mais j'ai aussi fait cette saison parce que je me disais que c'était la dernière. Donc du coup, J'ai pas de regrets, quoi. Ouais. Je suis content d'avoir fait ça, de l'avoir fait de la manière dont je l'ai fait, parce que j'ai fait de mon mieux, quoi. Après, on peut discuter du pourquoi, du comment, d'un an de plus, d'un an de moins, mais au final, je pense que je suis en paix avec moi-même, et c'est le principal. Alors, on va finir maintenant avec cette question. Alors, quand l'enfant de Kinshasa que vous étiez voit le sportif accompli avec le parcours que vous avez eu et l'homme que vous êtes devenu, qu'est-ce qu'il se dit ? Que tout est possible. Voilà, c'est la seule question, c'est tout est possible. Il faut.
Moi, le seul message, le seul truc et tout ça, c'est que j'aime une phrase qui dit que vous pensez que vous ne pouvez pas ou que vous pensez que vous pouvez, vous avez raison. Tout est possible. Donc si vous vous dites, mettez dans la tête que vous ne pouvez pas y arriver, ben, effectivement, vous n'y arrivez pas. Mais si vous vous mettez dans la tête que vous pouvez y arriver et que vous savez pourquoi vous voulez y arriver, tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible. Voilà. Moi, je suis né à Kinshasa. Je suis retourné à Kinshasa en 2010. Quand je vois d'où je viens, maintenant que c'est fini, en plus, quand tu y es, tu penses pas à tout ça. Mmh. Parce que tu... Passe-moi l'expression, tu charbonnes. Donc, tu es là, tu... Mais une fois que tu t'arrêtes, que tu t'arrêtes et que tu te retournes, tu dis, bon... Moi, je suis né à Kinshasa, les parents, ils sont arrivés, ils ont quitté le pays parce que c'est difficile. Et que venir en France, ça offre quand même une vie qui est différente, qui a aussi ses problèmes aussi, c'est pas tout rose aussi ici, mais qui est différente et qui est en tout cas plus agréable quand même. Donc, on va essayer de rendre fiers nos parents et de rendre fiers tous ceux qui vont chercher à s'identifier à moi. Et moi, ça a été aussi un grand moteur pour moi. Et moi, je suis une personne simple. Donc si moi, j'y suis arrivé, voilà, n'importe qui peut y arriver. Après, c'est pas facile. Il faut travailler très, très dur. J'ai mis beaucoup de sueur, j'ai mis beaucoup de larmes, j'ai mis beaucoup de travail, beaucoup de sérieux, beaucoup de plaisir aussi, parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, on n'y arrivera pas. Et ça, le plaisir, c'est très, très important. Mais j'ai rien fait que personne ne peut pas faire, quoi. Donc voilà. La phrase du... Moi, en tout cas, de la fin, c'est voilà, tout est possible. Tout est possible. Merci beaucoup, Yannick, pour cet entretien. Avec plaisir.